Bonjour, bonjour à tous et à toutes, Magique Miladet Christique. Aujourd'hui, nous allons parler de est-ce que tu sais comment tu vas finir acte 2? Ouais. Dans la vie, quand tu ne sais pas comment tu vas finir, il faut prendre la peine de respecter autrui. Prends la peine de respecter les grandes personnes, les personnes âgées. Écoute-moi très bien. Ouais. Tu es jeune, mais tu n'as jamais été adulte. Donc, quand un adulte te parle, il faut l'écouter. Ouais. Tu es jeune ou tu es adulte, tu n'as jamais été vieux. Donc, quand une vieille personne te parle, il faut écouter, c'est pour ton bien. Frère, ce matin, je veux parler de est-ce que tu vas finir acte 2? Mon frère, voilà. Quand tu ne sais pas comment tu vas finir, voilà. Il faut apprendre à respecter Dieu le Tout-Puissant. Voilà. Tu peux être jeune, voilà. Tu as la faculté, tu as la force, tu as tout ce qu'il faut dans ta jeunesse. Mais arrête de te livrer à des pratiques illicites parce que demain, cela aura des retombées sur ta vie. Ouais, tu peux tomber gravement malade. À force de trop faire l'amour, tu peux avoir des mal de reins. À force de trop te livrer à la drogue ou à la cigarette, tu peux être fou plus tard. À force de trop faire des choses, la bagarre, tu peux avoir des séquelles au niveau du cerveau. Frère, tu es jeune, mais ce n'est pas la fin du monde. Ressaisis-toi parce que tu ne sais pas comment tu vas finir. Voilà. On a vu des personnes qui avaient la vigueur, qui avaient la force, voilà, qui se sont livrées à des pratiques illicites. Et plus tard, ils ont fini par des maladies incurables. C'est un conseil de jeunesse magique milliardaire. Ressaisis-toi parce que tu ne sais pas comment tu vas finir de ta vie sur cette terre. Voilà. Et crois en l'Éternel des armées parce que c'est lui qui est la solution à tous les problèmes de ta vie. C'est lui seul qui pourra ranger ta vie. C'est lui qui pourra nettoyer ta vie. Écoute-moi, de l'opulence à la misère. Est-ce que tu pensais que ça pourrait arriver ainsi? Parce que tu ne savais pas comment tu allais finir. Voilà. Tes parents ont vécu dans l'opulence et puis aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. Et toi, ça commence à provoquer des colères, la haine dans ton cœur. Tu n'as aucun respect pour eux maintenant. Mais laisse-moi te dire que ça dépend de l'alliance qu'ils ont tissée dans leur jeunesse. Voilà. Soit ils sont livrés à des pratiques, voilà, du diable et puis ils ont obtenu cette richesse-là. Mais à la fin, ils ont tout perdu parce que ça ne venait pas de Dieu. Or, la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Voilà. La bénédiction du diable est suivie d'assez de chagrin, de malheur. Frère, c'est Jéhovah Jireh, Jéhovah Shabbat, lui seul qui peut changer ta vie, qui peut changer ta destinée prophétique. Quand tu ne sais pas comment tu vas finir, apprends à respecter tout le monde, apprends à t'humilier. Quand on te parle, il faut écouter. Parce que quand on te parle des choses positives, c'est pour ton avenir, c'est pour ton bonheur. Mais quand tu ne sais pas comment tu vas finir, arrête de te moquer des personnes. Parce qu'on peut te lancer un sort. Voilà. Arrête de te moquer des personnes. Quand tu ne sais pas comment tu vas finir aussi, hein. Quand les parents te parlent, il faut écouter. J'ai répété, j'ai dit, ils ont été jeunes, ils ont été adultes. Toi, tu n'as jamais été adulte, tu n'as jamais été vieux. Donc, quand ils te parlent, il faut les écouter. Voilà. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que les parents nous parlent, parce que c'est par amour. Un père, il peut regarder son enfant et se détruire, mais quand il parle, il faut écouter. Que Dieu te bénisse, frère. Magique, milliardaire, christique. Blaise!